my time, think it's my year. Yeah, yeah. I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, yeah. I really feel it's my time, think it's my pen ready. To hold myself back, my self-esteem damn bad. I gotta keep on chugging, ran through everything in front of me. Might smoke bed in heaven, got a whole agenda. Can't aspire to get ahead, so bump that, it's no surrender. Got a dollar flipped up, I'm trying to get an NFT to get them when they're handing crypto. Learn how to fix that. I don't really hold out of books, but I'ma learn how to fix that. Some opportunities are never come unless you paying attention. So no, I can't miss that. Moving MVP, I got the record, I might have to throw something. Big jumper worthy, they gon' have to retire my jersey early. Whole crew coming, had to work something, cause I had nothing in my pocket. Yeah, I did all that. Trying to make profits, yeah, I did all that. Work, sweat, and tears, breaking even, no ends. Yeah, I did all that. Had to make it happen. Putting hours in my practice, I did all that. Yeah, I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. I hit the ground, then it go off. Yeah, hit the ground, then it go off. Yeah, I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground, then it go off. Yeah, hit the ground, then it go off. Yeah, yeah, run it, ooh. I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah. Yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my big dog, walking big talk, young veteran. Living legend, bet I'm better than them. This is my ship, I'ma jack it like Letterman. Y'all better not let them in, they gon' rotate it, so I keep the pedaling. Started a chain, the cycle is heaven, and this is from God, but I'm not your reverend, not in the pulpit. I'm a big bull in this element, yeah. Said you gon' pull up, then settle it, yeah. I've been married to this hustle, this is my ring, watch how I step in it, yeah. And I ain't even got a yard, but I'ma get ahead, watch how I touch down. Pulling plans out the clutch, everybody getting crushed. The clutch down is for us now. Have to work something, cause I had nothing in my pocket. Yeah, I did all that. Big plans, partners trying to make profits. Yeah, I did all that. Work, sweat, and tears, breaking even, no ends. Yeah, I did all that. Had to make it happen. Putting hours in my practice, I did all that. Yeah, I can't take no loss. Yeah. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du RTS. Oui, ça surprend toujours le début. Tout va bien. Saison 4, épisode 28, épisode durant cette trêve internationale où on a toujours l'équipe type à mes côtés. Enfin, l'équipe type sans David, bien entendu, David qu'on embrasse. Donc, on a top toujours en poste sur l'aile gauche. Bien sûr, voilà. Moi, j'étais plus latéral gauche, tu vois. Ouais. C'est, quand tu joues latéral gauche à 12 ans, c'est pas bon signe. Surtout quand t'es droitier. Mais ce soir, tu vas pas être latéral, tu vas être ailier, parce qu'on a un avant-centre à servir en centre. Ah oui, moi, je suis milieu de terrain, numéro 10. Ouais, ouais. Ce soir, on va jouer sur l'aile droite, comme d'habitude. Donc, on a Timmy parmi nous sur l'aile droite. Et en avant-centre, ce soir, on a la chance d'avoir Eric Vandenbogarde. Bienvenue, Eric. Ouais. Merci. Bon, ça me fait un petit peu peur quand même d'être là, parce que quand j'entends un petit peu la préparation là, je crois que je vais marquer beaucoup ce soir. Je n'étais que centré. C'est déjà pas mal. J'étais perdu la tête, alors ça va. Tu vas avoir quelques ballons. Oui, ouais, ah, ça va bien. T'aurais fait beaucoup d'appels dans le vent et t'aurais vraiment été servi, pauvre Eric. Donc, merci à vous sur le chat de nous suivre. Donc, nous sommes nombreux ce soir avec déjà la venue d'Eric. On a la chance d'avoir beaucoup de monde en public. Bon, déjà, nous avons Marie aux manettes qui est toujours présente. Marie, notre chef d'orchestre, qui est accompagnée de Aurel Rosenpark ainsi que Thomas Louis et de son ami Kevin. Donc, on les salue. Merci à vous de nous rendre visite. Salut, les gars. On peut entendre de loin qui. Ouais, mais il faut mettre une caméra. Il va falloir mettre une caméra en régie. Hein. Ça, c'est le prochain investissement. Voilà. Donc, au programme ce soir, au sommet de l'émission, donc on va revenir sur l'actualité récente du Stade Rennais. Notamment, on a eu vent d'une certaine prolongation qui a été signée. Donc, Thomas va nous donner son avis. Lui, il a l'air d'être ravi. Maintenant.
Vous êtes sûr? Et on reviendra aussi sur la carrière d'Eric, qui, pour les plus jeunes comme moi, ont connu ces matchs. Moi, les premières fois que je venais au stade, c'était la star. Tu n'avais même pas de pampers, je crois, dans le temps. Non, j'avais 8 ou 9 ans. Mais ouais, c'était ouais, avant ouais. Non, quand même, tu en avais des sorties. C'était les premiers émois footballistiques. Voilà. Ouais. Bah, oui. On se fait Eric, bonheur, bonheur. Ah, bah, ouais. Voilà. C'était le bonheur. Donc, ben, c'est grâce à Merci Tibi d'avoir invité Eric à l'émission. Je sais que c'est une bonne personne. Il a répondu assez facilement. Bien sûr, rapidement. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. On va voir s'il va pouvoir répondre aussi facilement à toutes les questions que voilà. Je vais préparer. Je peux le faire en hollandais quand même, non? En hollandais. On a prévu une deuxième partie de l'émission. Ça, ça vient. On cherche à faire de l'international quand même. Sous-titré. On a voulu faire l'émission en néerlandais, mais le français à Eric est meilleur que notre néerlandais. Voilà. Donc, on a choisi de rester en français. Donc, on va débuter déjà par l'actualité du Stade Rennais avec l'annonce qui a été faite aujourd'hui exprès pour l'émission de la prolongation de Julien Stéphan. Je vois que ça te fait réagir, donc on va commencer par Tibi. Non, mais bah, après... C'est 2 ou 3 ans déjà, non, c'est 2 ans. 2 ans, jusqu'en 2026. Ouais. 2026. Non, je pense que c'est une chose qu'on, à laquelle on s'attendait parce que depuis qu'il est arrivé, les résultats sont là. Donc, il y a une remontée au classement. Et puis on est toujours en Coupe de France et ça se passe plutôt bien, à part le petit couac qu'on a eu contre le FC Lorient là. Mais à part ça, on est là donc et ça joue à peu près bien, donc c'est pas trop une surprise. Et toi Eric, que penses-tu de cette prolongation? Alors, bon, bien sûr, je n'ai pas eu la confirmation aujourd'hui parce que j'ai passé toute une journée à la foire Expo où j'avais des rendez-vous avec des gens qui étaient très sympas aussi, mais je dois dire que Julien Stéphan. Déjà dans sa première période, moi j'étais très pour parce que pour moi c'est un profil, hein, mais ce n'est pas négatif ce que je dis, qui va tout à fait au Stade Rennais. Avec, moi je l'appelle plutôt un jeune manager, pas un entraîneur, qui correspond bien avec ce qu'on a besoin. Parce que je pense, et c'est là surtout ce qu'il a fait dans les 3-4 mois qu'il est là, il arrive pour moi, il arrive à optimiser. Décaler, de optimiser la qualité individuelle de joueurs. Et même si on n'a pas une équipe qui est au top cette année, et avec certains manques dans certaines zones de sur le terrain, on le sait, hein, je crois que tout le monde est conscient. Mais depuis qu'il est revenu, il a optimisé la qualité de chaque joueur et on a retrouvé une équipe. Et je crois que c'est surtout ça, une très grande qualité, un très grand bravo à Julien Stéphan pour... Il faut être un petit peu honnête, sauver notre saison parce qu'on était mal parti à un certain moment. Il y a aussi certains joueurs qui étaient vraiment pas bien et qui voilà tout à fait. Alors il a redonné confiance, mais il n'y a pas que ça. Il a recréé un équilibre dans l'équipe. Après c'était un risque aussi de le prendre parce que c'est vrai, on a toujours eu des doutes. Il est parti il y a quelques temps et moi aussi personnellement j'ai trouvé qu'il partait trop tôt. Mais c'est ça que c'était pas évident pour lui d'être là dans certaines phases. Mais je suis très content, bien sûr, avec ce qu'on a vu ces 3-4 mois. Et oui, je trouve que c'est une bonne chose pour le Stade Rennais parce que, c'est un jeune manager qui correspond et qui a des qualités pour optimiser des qualités, comme je disais, ben, il connaît la maison. Mmh. Alors, il respecte le côté, ce qu'on aime tous dans le Stade Rennais, c'est quand même le club en Bretagne. Hein, on ne parle même pas d'autres clubs. Mmh. Alors, il connaît la maison, c'est très bien, il respecte. Mais de l'autre côté, il a la qualité pour nous faire monter en niveau. Et je crois que c'est ça surtout qu'il nous faut, ce mix-là. Alors oui, moi je suis content qu'il est revenu. Oui, moi je suis content ce qui s'est passé les 3-4 derniers mois là. Alors très bien qu'il a prolongé et qu'on continue ce parcours. Merci pour ton avis. On va demander l'avis à Thomas. Attention. Non, mais on a un groupe WhatsApp et je vous ai mis la pression juste histoire de rigoler parce que comme j'en discutais avec Marie en étant honnête, moi effectivement j'ai jamais été un fan de Julien Stéphan et c'est surtout dans le jeu qu'il propose. Tu as utilisé un mot qui est très important et je suis entièrement d'accord avec toi Eric, c'est un très bon manager parce qu'il a recréé un groupe il y avait des distensions un petit peu en interne. Le boulot qu'il fait depuis 3 mois là, qu'il est là, il n'y a franchement pas grand-chose à lui redire. Tout à fait. Et c'est juste... En fait, je comprends la logique des dirigeants. Je comprends le fait que Stéphan, lui, veuille aussi prolonger et se dire, allez, la dernière fois, je suis resté sur un échec. Je vais essayer de prouver qu'il y a eu de l'amélioration de certains côtés.
Ce qui m'emmerde, c'est que j'ai pas envie d'arriver en février prochain ou en octobre prochain, où ça va être le licenciement de Stéphane parce qu'on est 15e et qu'on n'a pas de points. C'est le seul truc qui m'emmerde. Moi, je me suis jamais remis avec une ex parce que c'est le seul truc qui m'emmerde un peu. Tu vois. Après, effectivement, le boulot depuis qu'il est là, comme tu disais, à part le match à Lorient où on sent que les joueurs et lui sont passés à côté. Ah, sinon, il n'y a pas un match où au moins tu sentais pas que la préparation n'était pas bonne. Voilà. Et parfois, ce sont des ex qui prennent la décision et parfois, c'est l'entraîneur quand même. Alors voilà, c'est ça qu'il faut voir aussi. Il y a des ex qui veulent s'en aller. C'est vrai que je ne me suis jamais remis avec toi. Pose-toi la question, Thomas. Pose-toi la question. On salue Pierre, Sandé Bou et Sandé Arnaud dans le chat. Il y a Rosenbach qui il nous fait l'honneur de nous écrire sur le chat, mais tu peux venir en plateau aussi nous le dire si tu veux. Donc Julien Spiffan, pour lui, c'est pas juste un poste dans une entreprise, c'est que son job, c'est d'entraîner son club de cœur et ça fait une différence énorme quand tu dois faire ton job. Tout à fait. Ouais, ça c'est bien quelque chose qu'on peut pas lui reprocher, c'est un mec qui est investi. Ça, de ce côté-là, pas de souci. Et la chose que j'apprécie, parce qu'effectivement, il a des qualités de manager qui sont très bonnes, moi c'est dans le jeu où ça me chagrinait un petit peu. Et tu vois que c'est un gars intelligent parce qu'il s'entoure. Tu vois, il est parti avec M. Cuny, il disait, il y en a deux, trois avec qui les adjoints avec qui ont l'air, justement, ce que je reproche à l'ami Florian Maurice, qui lui a du mal visiblement à s'entourer de gens qui vont compenser un peu ses lacunes. Julien Stéphane, au moins, c'est ce qu'il fait. Écoute, on va voir en fin de saison déjà, tu vois. Il reste quand même quelques matchs. Hein. Je trouve que c'est un peu rapide. Et je pense que ce qu'il ne faut pas négliger, c'est la première période de Julien Stéphane. Il y avait un autre staff autour qui prenait d'autres décisions. Honnêtement, et je dois être honnête, je ne connais même pas Julien personnellement. Mais j'ai regardé son travail avec les anciens. Hein, on est là, à l'History Club, on regarde, on échange. Et je crois qu'il n'était pas aidé par le staff à ce moment dans le choix de ses joueurs. C'est vrai. Et je crois que c'est là surtout, Julien... Et là, je parle comme un jeune, c'est un gamin qui aime le club, qui est d'ici, et qui voulait, je pense, surtout créer une bonne équipe. Alors, il y avait d'autres influences autour, je crois, qui lui limitaient un petit peu dans ses choix. Alors, en espérant que maintenant, avec un meilleur équilibre et de meilleurs choix à faire, qu'il arrivera à nous faire parvenir deux, trois joueurs qu'on a besoin, qui sont juste au-dessus tous ces bons joueurs qui ont des qualités, mais qui ne sont peut-être pas au niveau qu'on aimerait avoir aujourd'hui. Est-ce que tu penses que dans la discussion, effectivement, Florian Maurice va écouter les besoins de Julien Stéphane? Est-ce que tu penses que Julien Stéphane a la carrure et le poids pour imposer les joueurs à Florian Maurice? Moi, j'ai pas l'impression. Ça, c'est le côté interne et je veux même pas, même si je pourrais, mais je voudrais même pas me parler de ça. Mais je pense que quand on regarde, j'ai eu l'occasion d'échanger quelques mots avec Florian. Et alors, c'était l'impression. Tu sais, moi, je suis un homme d'expérience de vie. Alors, je pense que lui, c'est quelqu'un qui a un bon esprit, qui a un bon réseau. Alors qu'il peut faire un bon travail, vraiment, qui a la possibilité de nous faire venir de bons joueurs. Julien Stéphane, le puzzle, pour moi, est complet au niveau qualité qu'il faut pour le Stade Rennais, dans la phase dans laquelle on se trouve. Alors si eux, les deux, c'est vrai, ils arriveront à se trouver, ça je ne peux pas le dire, mais ça pourrait donner une très bonne chose. On a des bons joueurs. Mais il manque deux, trois éléments. Et on n'a pas besoin d'avoir fini la maternelle pour en savoir. Oui, tout le monde le sait. Alors, en espérant qu'eux aussi ils le feront, et c'est là où on va monter le niveau encore. Pour rebondir sur sa question, il y a Arnaud Denis qu'on salue dans le chat qui nous dit, est-ce que Stéphane a été prolongé? Donc, est-ce que ça veut dire que Florent Maurice sans le départ ou est-ce qu'il restera? Je ne sais pas, franchement, écoute, je ne sais pas. Je trouve que cette prolongation-là, un 25 mars, c'est un poil tôt. Hein. Moi, je reste là-dessus. Hein. Si tu prends 4-0 contre Paris en demi et puis tu t'écroules en championnat, je pense qu'on aura... tu vois, il y a certaines personnes qui vont se dire, arriver à début juin, faire... Ah, mais ça peut avoir l'effet inverse aussi. Et est-ce qu'il faut travailler avec le moment? Parce que ça, si tu travailles comme ça avec un match perdu, et parce qu'on perd un match, tout le travail de base ne sera pas bon,
Ça, je trouverai limité. Alors, c'est vrai, t'as raison. On connaît un Julien Stéphan avec des années de travail qu'il a fait. Et là, j'ai l'air très pro Julien Stéphan et je ne le connais même pas personnellement. Mais je regarde un petit peu tout ce qui se passe autour. Et bien sûr, je croise beaucoup de monde. Hein, j'entends beaucoup de choses. T'écoutes. Mais si on juge Julien Stéphan sur éventuellement un match qu'on perd avec une saison qui était déjà compliquée, alors là, ça, je trouverai limité. Alors, si on croit en Julien Stéphan et la qualité de base qu'il a, dans la phase dans laquelle on est, je crois qu'il faut continuer là-dedans. Et c'est là où je dis que ça créera une calme. Et ça peut, oui, ça peut. Moi, j'avoue qu'il y a un mois, je lui ai dit merci parce qu'effectivement, comme tu disais, il y a 3 mois, la saison était plus ou moins morte. C'est ça. Ouais, j'avais peur. Hein. Et il nous a fait, il nous permet, là, on est encore fin mars et on a encore des choses à vivre et à espérer. Donc déjà, rien que pour ça, merci. Bon, après, moi, j'étais à limite emballé de le voir jusqu'à fin juin et qu'il fasse... et limite, dans l'idéal, c'était, bah, écoute, gagne une Coupe de France, une deuxième, oui. Ce serait magnifique. Et puis, tu t'en vas, et puis, voilà, et on trouve quelque chose de... Ça peut... Mais... Par rapport à des joueurs comme Christopher Wu ou Guéladoué ou comme ça, qui ont été mis en avant par lui, le fait de savoir qu'il reste, ça peut aussi... Ouais, t'as raison. Et imagine-toi qu'il y a un autre club qui dit, mais écoute, mais Julien... On te trouve tellement bon. Nous, on te fait confiance et on te fait une bonne offre et rien n'attend. Alors, on a où? Si on aimerait le prolonger. Alors, c'est toujours compliqué. C'est délicat. Hein, et le monde du foot. Il y a tellement de bons et mauvais moments. Oui, voilà. Alors, à un certain moment, il faut prendre des décisions. Alors, bon, mauvais. Après, c'est très facile à parler. Ah oui, ça, c'est sûr. Alors, voilà. Ça, et là, je crois, on connaît le travail qu'il a fait. Là, on ne peut que dire en 3-4 mois. Moi, j'ai trouvé qu'on était très mal. Et honnêtement, avec l'équipe qu'on avait, je me suis dit, moi, en ancien pro, qu'est-ce qu'il va faire pour nous faire jouer mieux? Parce que ce n'était pas terrible. Mais on ne joue pas forcément beaucoup mieux, je trouve. Non, mais il y a plus d'équilibre, il y a une solidarité. Exactement. Alors, je pense que c'est ça surtout. Et là, je parle comme l'ancien. Et quand je regarde dedans le temps, comme nous, on jouait, on a fait la montée en 90. Parce que nous, on a tenu ensemble, on était tous fatigués, on ne jouait pas bien. Les 3 derniers mois, ce n'était pas terrible, on a fait la montée. Alors oui, ça peut être fait que dans la période que tu ne joues pas bien et que tu crées une solidarité entre joueurs, que tu fais juste la différence. Mais effectivement, il y a plein de matchs sur janvier-février qu'on n'aurait pas gagné au mois d'octobre. Voilà. Et c'est uniquement l'état d'esprit. Ça, effectivement, être négatif de M. Genesio, qui a fait un travail remarquable pendant plusieurs années. Alors, c'est même pas ça, hein, mais bon, il y a le cycle d'entraîneur. Exactement. Voilà, et c'est tout à fait logique. Alors, il était au bout. Oui, je pense. Alors, il a fait ses choix. Et après, il faut créer une suite. Alors, moi, je trouve que c'était plutôt bien le choix avec Julien. Après, je te propose un truc, Eric, c'est qu'à chaque fois, on fait un an et demi Julien Stéphan, on reprend Genesio pendant 2 ans, on fait un an et demi Julien Stéphan. On peut faire comme ça, moi, ça me va bien. Oui. Ça fait une Coupe de France tous les 2 ans, à peu près, une qualification en Ligue des Champions tous les 2 ans aussi, et hop, je la prends. Hein. Oh, désolé, moi, j'ai un âge, je ne regarde plus de dessins animés. On salue David sur le chat, Roison Park qui nous dit on va pas perdre 4-0 contre Paris car Barcola out et les défenseurs chiliens ont prévu de tacler les chevilles de Kylian Mbappé demain en France. Il s'est trompé hein, entre Barcola, il voulait dire Mbappé, non? Non, Barcola, il est out, il est blessé. Pour justement, ça aurait été bien qu'il soit titulaire, l'ami Bradley. Et David, tu nous dis salut légende Vandenbergard et bonjour RTS, bonjour VTB. Oh, Steven. Il y a Steven qui est. Bonsoir à tout le monde. Bonjour Steven. Ah, pardon, j'avais pas vu que c'était Steven. Bonsoir, bien sûr, le boss. On a la chance, on a accueilli il y a 2 semaines Pierre Riquier, qui est une autre légende du Stade Rennais. Donc, on enchaîne bien avec. Voilà. Ah, on est bien. On est plutôt pas mal. On se fait une année 2024 pour l'instant. On dit souvent que ça joue dans les 2 surfaces. Bon, on a Pierre-Éric et on a Eric. Donc, c'est bien. Écoutez, le gars, vous faites du bon boulot aussi. C'était quand même plutôt sympa que vous faites. Alors voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Eric. Clip ça, Marie, s'il te plaît. Enregistre. Donc là, on va fermer la parenthèse actualité Stade Rennais. On y reviendra en fin d'émission. On a intitulé l'émission Saucistico, c'est par rapport au match dimanche prochain, les saucisses de Strasbourg contre la galette saucisse, donc on va voir qui a la meilleure saucisse en espérant une victoire du Stade Rennais, bien évidemment. Bah, bien sûr. Attention, déjà dans le chat, on atteint le dossier Eric Pierrick,
On a envoyé quelques-uns. Bon, on va pas commencer à effrayer Eric. Déjà, Eric, il avait un message au Pierrick. Il se demandait comment Pierrick avait autant de maillots de lui. C'est vrai que 20 ans, 30 ans après. Avec le maillot que je vois ici. Hein. C'est vrai, c'est de la nostalgie qui revient. Voilà. Alors, le fils à Pierrick, moi, j'ai connu comme gamin, bien sûr. Alors, Gaël, voilà, salut. Qui est venu nous l'emporter avec justement. Avec le pagnon. Bah oui, le pagnon. Ouais, c'est magnifique. Et c'est un très joli souvenir pour moi personnellement aussi. Alors, c'est vrai, bien sûr, on a été éliminé par le grand Marseille dans tout le temps. Le score quand même, oui, 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 voilà, c'est ça. Et bien sûr, mais c'est un très joli souvenir, je crois, que pour le Stade Rennais. Moi, je me rappelle ce match qui était dans une belle ambiance, un stade plein, hein, même dans le temps en D2, bien sûr, contre le grand Marseille. Et je crois qu'on s'est bien défendu ici à Rennes. Hein, des gens qui étaient sur place, ils ont de bons souvenirs, même si on avait perdu, il faut être honnête, 5-1 là-bas. Okay. Ça sexy dans le chat. Donc Thomas Louis qui est présent parmi nous, donc, merci pour ton message et il félicite pour le super travail pour nos invités, Pierrick et Eric. Merci. Et il rappelle justement les premières années de supporter à l'âge de 6 ans en tant que légende de l'époque. Merci à son père qui lui a permis de transmettre la passion pour le stade. C'est vrai qu'on peut le voir même à Rennes-Marseille qu'il y avait beaucoup de pères qui emmenaient leurs enfants et c'est comme ça qu'on a tous débuté, comme Thomas, comme moi, Tipeee aussi. Ouais. Et c'est là où on va venir. Parfaite positive, Thomas. David, on va revenir après ensuite sur les joueurs hollandais, notamment Matuziwa, et il y en a eu d'autres. Donc on va interroger. On a, Eric. On a le meilleur d'entre tous. Je suis d'accord. On voulait éviter de dire tout de suite que c'est Eric qui avait conseillé John Nero. Non, plaisante. Il y a eu Marie Melcott. On va déjà commencer par un petit focus sur la carrière d'Eric. Donc Eric qui a été formé au PSV Eindhoven, pour ceux qui ne le savent pas. Tu as commencé très jeune au PSV, tu as commencé à faire tes premiers matchs en pro à 18 ans. Oui, 18 ans même. Bon, j'ai eu de la chance de faire mes débuts à 18 ans et bon, contre l'Ajax. Alors, c'est comme Marseille-PSG. Alors, c'est pour des anciens, hein, entre nous, c'était un des frères de Van der Kerkhoff, René Van der Kerkhoff, qui est sorti à la mi-temps, qui était blessé. Et j'ai eu la chance de rentrer contre aussi, bon, PSG Eindhoven, c'était quand même aussi déjà dans le temps un grand club, mais contre un Ajax où il y avait... Frank Rijkaard, c'était le stopper, Ronald Koeman, c'était le libero, il y avait Marco van Basten qui était devant, alors c'est quand même des joueurs qui sont assez connus ici. Et moi, je suis rentré à la mi-temps et on a eu de la chance, entre guillemets, de gagner 1-0 et que c'était moi qui marquais le but. Alors bien sûr, là, une carrière est partie. Hein, ensuite, c'est vrai, je suis rentré plusieurs fois à suivre et à chaque fois j'ai été un petit peu un super joker considéré comme ça, j'ai marqué. Pour rappel, il y a 30-35 ans, débuter sa carrière à 18 ans, c'était pas anodin, c'était très rare. Oui, voilà, c'est vrai, c'était assez jeune, mais bon, on avait une belle génération, j'ai eu de la chance de jouer à partir de l'âge de 14 ans, je sais bien que ça parle ici en France, avec Marco van Basten dans l'équipe nationale, Sonny Siloy qui a joué au Matra Racing et à l'Ajax, Johnny Van Schip et tout ça. On avait une génération qui était assez forte quand même. Oui, tu as fait toutes les élections de jeunes jusqu'à U21. Et à 18 ans, bien sûr, débuter à l'Ajax et oui, marqué des buts. J'étais un vrai numéro 9 et Van Basten était de l'autre côté. Et on avait Johnny Bosman qui a joué à Toulon aussi longtemps ici. Connu pour l'arrêt Bosman. L'arrêt Bosman, c'est un Belge. C'est pas la même chose. Oui, on avait une génération, on a fait la Coupe du Monde junior en Mexique, ce qui était très belle. C'était juste avant que je suis devenu pro à 17 ans. Bien sûr, ce sont des expériences magnifiques quand tu es jeune. Et avec, on nous appelait les Oranga Mecanica. On avait un jeu tactique assez fort quand même, ce qui est typique un petit peu pour le jeu hollandais, je crois. Et avec des joueurs quand même qui étaient un petit peu au-dessus au niveau qualité. Et on a fait une très belle Coupe du Monde. Et bien sûr, ce sont des expériences bon joueur, et chacun a fait sa carrière. Marco van Basten est devenu le meilleur joueur du monde. Alors, on ne va pas se comparer à ça. On a tous fait notre carrière à notre manière et c'était des très beaux choses. Mais, je dois dire, il y avait un Huub Stevens au PSV, à Eindhoven, qui m'appelait Tic-Tac. Et j'ai compris qu'on t'appelle Tic-Tac ici. Oui, c'est ça. Alors, voilà. Bon, pour moi, parce qu'il m'appelait Tic-Tac, lui, il était entraîneur de Schalke 04 après et tout ça. Certains mouvements.
Ça, on va laisser tomber. Je ne pense pas que c'est ton truc. Alors, j'ai compris qu'on t'appelle Tic-Tac. Alors, on est fiers. On est fiers, là. Merci pour cette anecdote. On va appeler Tic-Tac, mais pour d'autres raisons. C'est difficile de retenir le prénom. En tout cas, très belle anecdote. Donc ensuite, tu as été prêté à Maastricht. Oui, tout à fait. Avec un échange d'Eric Guiretz, qui est un joueur belge qui est quand même assez connu aussi, qui faisait partie de grande équipe de la Belgique. Et bon, comme tout jeune joueur, bien sûr, j'étais deux saisons avec l'équipe première, je suis rentré souvent, une certaine période, j'étais même titulaire au PSV Eindhoven, mais comme dans chaque grand club, il y a que des internationaux. Oui, alors, c'est difficile à gagner sa place. Et surtout, dans le temps, c'était encore un petit peu différent. On jouait vraiment avec souvent un 11, des 11 titulaires. Ouais. Hein, on ne jouait pas avec un effectif de 20. Il y avait vraiment des joueurs blessés pour jouer. Alors, quand tu es jeune, à certains moments, tu vas être titulaire. Alors, il y a eu l'échange avec Eric Guiretz, justement, qui est venu à Eindhoven. Et moi, je suis parti à Maastricht, MVV, qui joue en D1 à ce moment-là. Et moi, j'étais très content. C'était très bien. Où il y avait aussi des joueurs qui avaient joué avec l'équipe nationale et tout ça. Et MVV, c'était une équipe qui était très bien. Alors, c'est la suite d'une carrière qui est un petit peu logique. Alors, MVV, et après, il y a eu la France. Tu vas nous raconter ça, mais c'est vrai que ça marque quand même entre Pierrick qui nous racontait sa sélection là avec Platini. Il avait son dernier match contre Zizou. Et toi qui as fait ton premier match contre Ajax de Rijkaard, Van Basten, Gullit, c'est vraiment. C'est la classe. Surtout l'échange avec Eric Guiretz, quand on sait ce que Eric Guiretz est. Oui. Voilà, c'est un grand nom et je sais bien que ça parle aussi ici en France. Gullit, bon, c'est vrai, il n'était pas à l'Ajax, il était encore à Feyenoord à ce moment. Il est venu, j'ai joué 3-4 mois avec lui parce qu'il est venu à PSV Eindhoven justement l'année quand moi je suis parti. Mais oui, bon, ce sont des noms qui comptent et qui, bien sûr, ça donne une expérience. Il y a d'autres, une petite anecdote, il y avait Harry Hahn. Alors, vous êtes trop jeune peut-être pour ça, mais 74, 78, ceux qui connaissent le Coupe du Monde, Harry Hahn, c'est un joueur qui faisait partie du grand équipe de la Hollande. Et on était aux îles Canaries pour passer l'hiver. Et Harry, il était à côté de moi. Et bon, comme souvent, tu sais, il y a une serviette qui passe pour des signatures et tout ça. Alors, il est à côté de moi, le petit jeune, voilà, 18 ans, 19 ans. C'est vrai, j'ai remplacé souvent Ariane parce que bon, il était à la fin de sa carrière quand même. Alors, il y a une serviette qui passe et moi, le gars modeste, je mets un tout petit mon signature. Il dit, écoute Eric, ça se fait comme ça. Alors, il prend la serviette et il prend toute la serviette. C'était un petit truc, il voulait m'expliquer. Il n'était pas arrogant, mais il voulait m'expliquer quelque chose. Alors ça, ce sont des petits trucs qu'on n'oublie pas. Alors c'est beau, ça. Mais je pense qu'il avait aussi, même si tu étais jeune, il avait, je pense, cerné que tu étais quelqu'un d'humble. Parce que nous, on le voit depuis qu'on te... On le ressent, en tout cas, depuis qu'on te voit tout à l'heure et depuis qu'on t'entend. Et je pense que c'était peut-être sa manière à lui de te dire, hey, Oui, mais bon, il y a un... Il faut y aller, Eric, là. Il faut Non, mais ça, c'est vrai. Et j'ai apprécié. Mais la même chose. Alors, c'était un de nos premiers matchs avec l'équipe nationale. Est-ce qu'on a le temps, là? Oui, alors voilà. Non, 14 ans. Alors, le premier tournoi international avec l'équipe nationale, c'était à Cannes. Et, le grand tournoi de Cannes, le mois de mai, qui est réputé. Encore aujourd'hui, c'est un tournoi qui est très connu. Et on avait Van Basten, Sonny Siloy, qui était le grand Ajax, Matra Racing et tout ça. On avait le grand équipe quand même des jeunes qui avaient du talent. Et on joue contre l'Italie, 14 ans. Nous, bien sûr, on était tout fiers de nos survêtements orange, bien brillants et tout ça. Ben, les Italiens, 14 ans, en costard, cravate, imperméable et tout ça, la classe. Alors apparemment, on était impressionnés. Et à la mi-temps, on a mené contre l'Italie, on a mené, je crois, 1 ou 2-0. Notre coach, il nous descend. Il dit, est-ce que vous avez vu comment vous êtes rentré sur le terrain? Et ça va. Après, j'ai vu la photo où il y a Van Basten, il y a moi juste derrière. Et quand même, Van Basten, c'est pas n'importe qui, finalement. Et on a tous la tête en bas. Ouais. Alors, il nous a engueulé. Il dit, écoute, vous êtes monté sur le terrain avec la tête en bas. Alors, montez le dos droit. Ouais. Alors ça, à 14 ans, ce sont des messages que je n'ai jamais oubliés. Alors, c'est vrai, quand tu es sur un terrain, même si tu te sens mal, comme joueur pro, tu as le droit de passer des phases dans ta vie où tu ne te sens pas bien. Bien sûr. Ça existe. Mais c'est vrai, quand tu attends, mais n'importe. Tu te montres droit, tu te montres fort. Oui, un petit peu. Ah oui, il est comme ça, lui. Voilà. Non, mais ça, ce sont des choses, alors ce sont des leçons de vie que moi, j'ai jamais oubliées. Et c'est vrai, ça. Et la deuxième mi-temps, Eric, du coup? Ah, je ne sais plus, je crois qu'on... Je suis sûr qu'on a gagné 5 ans, mais je suis pas sûr. Un petit coup. Ça me rappelle quelque chose. Voilà. En tout cas, merci. On n'a même pas à peine débuté l'émission qu'on se régale avec de telles anecdotes.
Donc sur le chat, Serge qui nous dit qu'il est content pour la prolongation de Julien Stéphan. Idavid a l'évocation du PSV qui pense à Ola Toivonen aussi, un ex-joueur du PSV. Oui. Aurel qui nous fait remarquer que Rennes et les Pays-Bas, c'est vrai que le gros point commun, c'est la formation. Oui, bon, c'est vrai, ça, il y a bien sûr des comparaisons à faire, mais il y a aussi des grandes différences quand même. Il y a une culture au niveau foot, mais quelque part, ça peut être très complémentaire. Alors, tout à fait, bon, dans le temps, quand je parle pour moi, moi j'ai joué avec Laurent de la Montagne, qui était le plus petit que moi, mais le technicien, le vrai dribbleur à la française, et moi le grand Hollandais numéro 9 et tout ça, mais c'était super complémentaire. Alors, depuis la première minute, le premier entraînement que j'ai fait ici. Ouais, le duo marchait bien. Tout de suite. Alors, ça parlait le même football. Voilà, c'est ça. Alors, oui, il y a des différences, mais quand même si c'est complémentaire. Et là, je crois, même cette année, on m'avait demandé quelques fois, mais qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qu'on aura besoin de certains joueurs? Bien sûr, tout le monde disait, bon, quelqu'un, un axe central, hein, parce qu'il nous faut quelqu'un de costaud qui dirige un petit peu les jeunes, pour pas faire des conneries parfois et des trucs comme ça. Un bon milieu de terrain. Et devant, je me suis dit, et c'est pas parce que c'est moi, mais un type nordique qui sait tenir un ballon, qui sait jouer de haut but, et avec des bons joueurs comme Goury ou Terry. Et tout ça, et le petit Calimundo, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais le petit Calimundo qui est vif et qui montre quand même sa qualité de buteur, mais tout seul là-dedans, il fallait quelque chose de plus costaud. Ben moi, j'aime bien par exemple le profil de l'attaquant de Villarreal, Sorloth. Et c'est là où on dit, on peut, il y a une complémentarité. Et là, c'est vrai, je crois que l'Hollandais, et on a eu Oosterweer et tout ça, c'était en défense. On a eu des joueurs quand même. Hein, mais ça dépend un petit peu des positions. Et aujourd'hui, ce n'est pas hier, c'est surtout pas avant-hier. Alors, il faut faire d'autres choix et regarder le collectif. Mais pour cette année, c'était un petit peu ça. On va revenir à ton passage juste à Nardet. Donc, l'histoire d'amour a débuté sur un essai. Oui, tout à fait. Donc, raconte-nous un peu comment s'est déroulé ton arrivée en France. Alors, voilà, avant de signer à Rennes, j'étais à Toulon. Je me suis entraîné une semaine avec Toulon. J'étais à Maastricht, mais j'ai eu une opération de genou, un menisque, ce qui n'est pas trop grave. Hein, ça arrive quand tu es footballeur. Tout le monde manque, nous deux. Ouais, c'était pas grave, mais j'ai fait une semaine avec Toulon. J'étais avec Nîmes, qui avait une belle équipe dans le temps. Voilà. Et je suis arrivé par, bien sûr, comme ça se passe dans le foot, un impresario. Hein, c'est ça. Et j'ai fait un essai à Rennes. Et comme je disais tout à l'heure, je crois que Raymond Curizuré, qui était notre entraîneur longtemps, il a tout de suite senti. Raymond, c'était un fin joueur quand même. Hein, c'est le prince de Bretagne dans le temps. Un bon numéro 10. Et je crois qu'il a bien senti justement cette complémentarité entre Laurent de la Montagne et moi. Patrick, qui n'était pas là encore, le frère, hein, qui était un très bon numéro 10, hein, style Platini et tout ça, avec Laurent. Alors, ça fonctionnait tout de suite. Alors, je pense qu'en 2-3 jours, c'était réglé. Et moi, j'étais très heureux parce que finalement, c'est pas pour rien que je suis revenu vivre ici. Ouais. À part le côté sportif, il y a eu une très belle histoire avec la région. Mais toujours, à chaque fois qu'on t'entend parler, on sent que... Oui, mais c'est toujours, vrai. Oui, non, mais la Bretagne, c'est vrai. Il y a cet amour pour cette région qui est pour plusieurs raisons. Il y a la côte, hein, que j'adore, bien sûr. J'appelle ça Mer Rocher. Ah, ils sont à moi. Et le couleur émeraude et tout ça, bien sûr, c'est magnifique. Mais Rennes, c'est ma ville. Et non, mais il y a eu cet échange aussi avec les supporters. Ouais. Tout. Alors, on doit parler. Puis tu as facilité les choses aussi, parce que tu as marqué tout de suite. Donc, oui, voilà. Mon début officiel. Mon début, justement, si on veut en parler, c'est que c'était contre Strasbourg. Et Strasbourg, dans le temps, moi, je suis arrivé à la trêve hivernale. Hein, en octobre ou novembre, on a fait un tournoi à Maroc et tout ça. Ça se passait assez bien. J'étais très surpris. Parce que c'est vrai, un de mes premiers matchs à Maroc. Et moi, je suis sur le terrain, et à la mi-temps, c'est Raymond Curizuré qui rentre sur le terrain. Et qui te donne trois ballons de but. Et moi, j'étais juste là, je ne parlais pas trop bien français au début. Ben, bien sûr, t'es surpris, tu dis, mais c'est l'entraîneur quand même. C'était beau, hein. D'abord, c'était la préparation de deuxième partie de saison, et c'est vrai, il y avait un projet. Raymond était juste arrivé aussi, 87 seulement, et il y avait un projet breton. Hein, ça, dans le temps, on pouvait encore, avec quelques étrangers. On avait le droit à trois étrangers. Il y avait Imre Garaba, qui a fait partie du grande équipe d'Hongrie dans le temps et qui était un gars aussi adorable.
On était trois. Alors, moi, je suis arrivé au début. C'est vrai, je n'étais pas encore complètement en forme. J'avais eu Alors, je suis sûr qu'ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on a fait venir ici, hein, quand même. Mais bon, Strasbourg, la grande équipe de Strasbourg, Léonard Specht et tout ça, je crois qu'ils avaient pris que 8 buts. Invaincu. Ah oui, invaincu surtout, mais que pris 8 buts. Et on gagne 4-0. Et c'est vrai. Bon, je marque 2 buts. Et doublé. Le match de ma vie, bien sûr, c'était parti. Bien sûr. Pour rappel, pour ta première demi-saison à Rennes, c'est 7 buts en 12 matchs. Et c'est un bon ratio parce que durant toute ta carrière à Rennes, en tout cas, c'est 98 matchs pour 55 buts. Donc plus d'un but. Le ratio est bon. Hein. Et Eric, c'est typiquement le gars qui est très bon aux entretiens d'embauche. Tu vois. Bon, qui est bon. Je donne 8 aussi. Je donne 8. Tu vois, Eric, il arrive au PSV, il marque tout de suite. Il arrive à Rennes, il marque tout de suite. Bon, bah, voilà. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Bon, est-ce que c'est une chance ou pas? Mais c'est vrai, ça a continué après à Rouen. Hein, parce que de Rennes, je suis parti à Rouen et après j'étais à Lausanne. Et oui, entre guillemets, j'ai eu cette chance ou je ne sais pas, est-ce que c'est une qualité, mais ça va, j'ai tout de suite marqué et bien sûr, ça facilite l'entrée. Ah ouais, bien sûr. Bien sûr. Avec les coéquipiers, avec les supporters, voilà, bien sûr. Tout à fait, bien sûr. Il y a Kevin dans le chat qui dit merci pour votre accueil. Par ailleurs, toujours intéressant d'avoir l'avis des anciens joueurs sur le Stade Rennais. C'est vrai que c'est toujours intéressant de voir des gens qui connaissent bien le milieu, vous donner leur avis, leur sentiments. Même si le foot a changé depuis un peu, mais c'est toujours super intéressant de voir qui connaissait un peu l'environnement, l'entraînement, le rapport entraîneur-joueur, les à côté. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir votre avis. Oui, je pense que bon, moi je fais partie de l'History Club, hein, c'est une association d'anciens joueurs et on se retrouve, on est très bien reçu par le club, hein, je dois dire, hein, on est très bien reçu, on est dans la galerie des légendes, entouré par nos propres photos et tout ça, alors ça fait du bien. Non, mais je dois dire surtout, on est très bien reçu par le club, mais aussi bien sûr, on en parle entre nous. Et bien sûr, le foot a changé, mais je crois que entre anciens joueurs, on ne vit pas dans le passé. Non. On sait bien qu'aujourd'hui, c'est différent, avec des pour et des contre. Mmh. Alors, on essaye d'analyser. On analyse entre nous, mais je pense que l'esprit de l'History Club est très positif envers le club et envers ce qui se passe aujourd'hui. Et on ne veut que stimuler. Ça, c'est très important. Mmh. Alors, il n'y a pas de critique. Après, on a notre opinion, je crois, qui est légitime quand même. Et il y a des choses qui ne changeront jamais, qui étaient valables il y a 50 ans, qui sont valables aujourd'hui et qui seront valables. Oui, il y a de la valeur, mais il y a aussi certains une prise de position ou créer de l'espace ou le timing, toutes ces choses-là, ça dépasse pas tout le temps. Alors, non, nous, on ne veut pas être là comme des vieux qui parlent du foot d'aujourd'hui et critiquer. Ce n'est pas du tout l'esprit entre anciens. On a notre analyse et je crois qu'on a le droit à notre analyse avec une certaine expérience quand même, c'est tout. Mais après, ça devrait ou ça pourrait que apporter, c'est tout. Quels sont les anciens joueurs que tu côtoies régulièrement à l'History Club? Ah ben bon, parce qu'il faut savoir que ceux qui sont encore dans la région. Alors Romain Danzé, il a fait un calcul à un certain moment, parce que lui il est le plus proche bien sûr à l'intérieur du club. Il y a 500 joueurs encore vivants depuis tout le temps, anciens pros. Et on a un groupe WhatsApp, par exemple, et avec l'History Club, on a 250 ou 300, ce qui est quand même pas mal, où ça communique beaucoup pour plusieurs raisons. Mais c'est vrai, ceux qui sont dans la région, c'est déjà assez rare qu'un Hollandais revienne dans la région, un joueur d'étranger qui revient. Mais les Hollandais en Bretagne, on les voit beaucoup juillet-août. Oui, mais bon, c'est avec des caravanes, ça autre chose. Non, mais Alain Costa, René Izquierdo, Robert Rico, Cyril Algouache, qui est notre président, bien sûr, Patrick Rampillon, qui était entraîneur, mais bien sûr, il est toujours là. On a plusieurs joueurs qui sont encore dans la région. Ça fait plaisir à entendre, ça. Ah oui, non, parce que surtout, et je crois que c'est vrai, ça fait plaisir que des gens voient que des différentes générations, on passe de très bons moments. Ouais, ils s'entendent, bien sûr. Voilà, et il faut savoir aussi, ça, on appelle l'humour de vestiaire. Ça dépasse toute la génération. Alors, Robert Rico, Jocelyn, son frère, mais ce qui fait tout à fait plaisir, Do Marcolino qui vient, Pietra, on a Olivier Monterubio quand il a le temps, qui vient, Julien Escudé quand il n'est pas à Madrid, il passe. Et dernièrement, je ne le connaissais pas, Pascal Rousseau et tout ça. Ce sont des bons moments entre nous et c'est des partages qui sont magnifiques, tout à fait.
Et ouais. Ça correspond, en plus, tu parlais de Romain Danzé, ça correspond parfaitement à Romain, ce... Ah oui, le fait de vouloir nourrir, justement, cet esprit club. S'il y a bien un qui représente l'esprit club à Rennes, c'est Romain. Le, le nombre d'années qu'il a passé ici, bien sûr, et ça représente la jeunesse, parce qu'il a juste assez jeune pour encore coller à la jeunesse. Faire le lien, justement, tout à fait, avec le style Michael Pagis, qui est venu et qui est vraiment tombé amoureux du coin et qui est resté ici aussi. Exactement. Ah oui, mais Emika, qui était un super grand joueur, tout ça, moi, je ne le connaissais pas avant, hein, parce que j'ai eu une trou avant. Avec le Stade Rennais pendant que j'étais parti, mais que, quand tu vois ce joueur sur le terrain, c'est classe quand même. Après Mika, bon, lui, il cherche moins la lumière. Ah, alors il aime bien d'être. Ah, au contraire, il l'a mis. Mika, c'est la classe. Non, mais justement, chacun dans son propre personnalité a son rôle dans cet historique club qui, où Jacques Delanoë est vraiment, avec la galerie des légendes, c'est son bébé. Alors c'est très beau. C'est ça, très c'est beau. Hyper important. Voilà. Et moi, je croyais que ce type d'ambiance existait dans tout club en France. En fait, non. Il n'y a que 2-3 clubs. Il y a Lyon. Mais c'est un petit peu grave par Rémi Esquerdo, qui est un Lyonnais et qui a introduit ça là-bas comme idée. Et ils ont suivi cette idée. Bah, Stade Rennais, c'est après, nous, à Rennes aussi, on a un truc où le breton est fier d'être breton. Ah oui. Et toi, j'ai lu dans une interview un jour où tu disais que tu te sentais plus breton que certains bretons. Oui, et non, ça nous parle. Oui, non, c'est ça. Et ça, ça nous parle. Mais en même temps, quand je dis ça, je dis, mais écoute, Eric, il ne faut pas dire ça, parce que je suis hollandais. Mais c'est vrai, je trouve ça magnifique, cette... Oui, mais on comprend le message. Oui, voilà, c'est ça surtout. Alors, c'est beau, c'est cette fierté de la terre. Et quand on jouait avec ce maillot-là, entre autres, qu'on défendait... La fierté de cette terre bretonne et de n'importe quelle bled. C'est même pas négatif. Et tu es arrivé dans le bar tabac à côté de l'église. Ouais. Il y avait le poster derrière. Alors, et on défendait ça. Et c'est vrai, c'était ça qui a créé cet amour pour cette terre bretonne, pour moi, comme Hollandais, très vite, au même temps. Et c'est ça l'histoire. Et que, ça, c'est un autre côté que je dis toujours, oui, moi j'adore ça, c'est beau. Mais en même temps, sans nous, là, je parle comme breton, hollandais, qui nous limite. Parce que le breton aussi, il regarde envers Paris. Il regarde envers Marseille, d'une certaine manière. Et moi, j'appelle ça Astérix et Obélix. Alors, c'est vrai. Et c'est quelque part beau, parce que tu dis, écoute, on va la battre. Et ça, toi, tu peux le faire une fois, peut-être deux fois, mais ça coûte beaucoup d'énergie. Et alors, moi, j'ai toujours dit, c'est l'histoire que j'ai essayé de raconter il y a 7 ans maintenant, et c'est ce que j'essaie de raconter aujourd'hui. N'importe qui t'a en face de toi, breton, hein, nous, les bretons, alors tu le regardes simplement comme ça, et à la même hauteur, et après, il faut être meilleur. Oui, et après, il faut être meilleur. C'est tout. Alors, et c'est, je crois que c'est ça un petit peu, pour moi, l'histoire du club, où on devrait y arriver, parce qu'on a, il y a eu du très beau travail fait depuis les dernières années. Oui. On a quand même... Oui. En Hollande, moi je me rappelle, il y a 4-5 ans, quand on jouait contre l'Arsenal, en Hollande, personne ne connaissait le Stade Rennais. Moi, j'avais fait le déplacement à Twente en... Oui, oui, voilà, c'est Twente, oui. En Coupe d'Europe, et c'est vrai que là-bas, les gens, ils ne savaient pas qui... Alors, c'est depuis Arsenal, et j'ai fait une interview avec la télé hollandaise, parce que ça commençait à vivre. Ouais. Alors maintenant, on doit se rendre compte qu'une statue monte, c'est très bien. Alors, quand la statue monte, il faut être aussi à la hauteur. Et c'est là où je pense que... C'est comme dans chaque sport, tu arrives au top. Ça va, c'est déjà dur, mais de faire juste ça... Bien sûr, de rester plus, et de faire le petit truc en plus. Et je crois qu'on est dans cette phase-là où c'est très compliqué, et c'est là où il faut perdre cet esprit que j'appelle régional, que j'adore tant, mais quand même, il y a un petit peu, il faut perdre ça pour arriver, pour être vraiment respecté de manière internationale. Pour passer un palier... Comme le match qu'on a fait à Milan, où il y a peut-être eu un petit peu trop de respect... Il faut être honnête. Ouais. Hein. Et là, parce que bon, je crois que le puzzle était là. On n'est pas dans notre meilleure saison. Il faut être réaliste. On n'a pas notre meilleure équipe. On avait une équipe il y a 2 ans qui pouvait mieux répondre probablement à des niveaux international. Et on s'est battu. Et c'est très bien. Et on a sorti du stade. On était tous bien. Quand tu es raisonnable et réaliste, tu dis, mais écoute, c'est logique qu'on a... On n'a jamais eu vraiment l'idée qu'on pouvait passer quand même. Il faut être honnête. Alors, c'est là où il y a un joli travail à faire pour des années à venir, c'est tout.
Parce qu'il est fait depuis 3-4 ans, c'est nous, ça nous, on est heureux, nous. Hein. On s'est habitué. Oui, oui, et c'est très bien. Mais ça, c'est l'enthousiasme populaire qui doit exister des fans. Après, il y a un travail technique. Il faut analyser un petit peu différent. Alors, il y a des bases à corriger. Il y a une homogénéité dans l'équipe. Il y a des éléments qui sont importants. Et il faut avoir un effectif où tu peux remplacer des joueurs par des joueurs qui ont la même qualité. C'est indispensable. C'est voilà. Et je crois que cette année, on était un petit peu trop pauvre là-dedans. Et c'est une leçon à apprendre. Et je suis sûr. Tu veux dire, Eric, le mercato n'a pas été très bien géré? Non, c'est trop négatif. Mais c'est vrai, le mercato d'hiver, c'est compliqué déjà à gérer. Il faut être honnête. Qu'est-ce qu'il faut prendre en hiver? C'est très, très péjoratif ce que je veux dire, mais c'est surtout des joueurs qui ne sont pas terribles. Est-ce que ça va nous apporter? Alors, ça, c'est simplement une décision interne et avec un entraîneur, avec un recruteur et tout ça. Et on est là. On a plus haut, on a mieux ce qu'on était avant. Si c'est prendre pour prendre, ça va. Oui, ça ne sert à rien. Alors, je crois qu'il y a une nouvelle phase dans laquelle on se trouve. Et il faut quand même analyser nos erreurs faites. Ouais. Excuse-moi, du coup, parce que je vois sur chat, ça t'excite, donc on en profite pour saluer Susu T'inquiète. Oh là là, Bretagne qui discute avec la régie. Et aussi, on parlait de Mercato, il y avait David qui demandait si on avait abordé le sujet Florent Mouret tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu aurais 2-3 joueurs de Redivisie à conseiller à Florent? Comme ça, on y viendra par la suite. Donc, on va reprendre le fil de l'émission. Donc, on va revenir sur les années du Stade Rennais. Donc, on a quelques photos pour un peu se rappeler cette période. Noir et blanc, probablement. On va voir ce qu'on a en magasin. Oui, voilà. Donc, là, on va commencer. Marie, tu as de la photo? Oui. Allez, on y va. Marie, tu me fais peur. Hein. Merci, Marie. Ah, voilà. Donc, tous ceux qui n'ont pas connu, Eric, nous, on l'a tous connu avec la moustache. Oui, c'était notre Mario Van Basten à nous, puisque les Hollandais étaient champions d'Europe. C'était l'équipe de rêve. On avait notre star hollandaise à nous. Donc, on te laisse commenter les images. Non, bien sûr. Bon, c'était le fameux maillot Pfizer qu'on a aussi devant chez nous ici. Je crois que ça, c'est encore ma première année. C'est Cédric. Alors, un bon Marc Breton qu'on pensait d'antan qui n'existe plus. Non, mais ça, c'est vraiment le... Moi, je suis arrivé à la Trêve Hivernale 87 et la première année, on joue avec Cédric, des maillots Cédric, c'est pour ça que je reconnais. Mais c'était un projet qui était en pleine construction. Alors là, je pense, c'est vrai, j'ai marqué mes buts et tout ça. Pour moi, personnellement, c'était bien, mais le projet était en cours. Alors, c'est l'année après et l'année après où on a fait la montée qui était le plus important. Tu as 23 ans à l'arrivée à Rennes. Oui, tout à fait, oui, 23 ans. Et bien sûr, comme on disait tout à l'heure, oui, à mon début, j'ai marqué tout de suite 2 buts et j'ai continué à marquer des buts. Bien sûr, quand tu es un numéro 9, ça fait du bien. Ça fait du bien à l'équipe. Pour la saison, c'était moins important à ce moment-là. Mais pour moi, personnellement, bien sûr, c'était... Et aussi pour m'acclimatiser dans cet environnement. Tu arrives comme jeune de 23 ans dans un pays tout nouveau. Tu n'aurais pas fait les 2 années derrière sans ces tout à fait. Et quand si je ne m'aurais pas senti... j'aime bien le cinéma, pardon, excuse-moi, ça c'est à côté de ma mère. Mais c'était très important pour moi pour m'intégrer. J'ai fait mes efforts pour m'intégrer le plus rapide possible et je crois que ça correspond aussi au reste de l'équipe où on était en construction. Alors, le Stade Rennais sortait des années très, très compliquées avant, financièrement. Et des deux, la fameuse année yo-yo que personne ne voulait plus. Alors, on a construit, Raymond Kérusseré a construit une équipe qui avait un niveau D1 finalement, mais on jouait en D2. Alors, est-ce que c'est bien? Pas toujours évident, parce que heureusement, on avait une défense qui était assez costaud, alors qu'il pouvait faire le nécessaire au niveau D2. Mais c'est vrai, finalement, et ça c'est 2 saisons après, parce que la deuxième année que j'étais là, on a fait des barrages. On a été éliminé par Nîmes, malheureusement. Mais on a fait une belle saison. Et l'année après, on a fait une fameuse montée que beaucoup d'anciens... Le fameux match à Lorient avec un scénario Hitchcock et tout ça. Ouais. Mais c'était une évolution avec un joli projet. Et c'est vrai, on avait Patrick Lamontagne qui était un joueur fin, un numéro 10 au milieu de terrain. Jean-Luc Rivard, malheureusement, décédé. Et on avait du vrai foot. Alors, moi, devant, je pouvais me régaler avec des joueurs qui donnaient des bons ballons. Oui. Bon,
étaient présents, tant mieux. Mmh. Hein, et derrière, on avait François Denis, Michel Sorin, Albert Fallet, que c'était des costauds. Ça rigolait pas. Bah, il fallait bien. Il fallait bien. Alors, parce que si tu joues bien, trop bien au foot en D2, bah, ça ne veut pas toujours dire que ça fonctionne. Bien sûr, ouais, mais aujourd'hui, c'est encore le cas. Bah, voilà, c'est tout. Alors, c'est un autre jeu, mais bon. Je dois dire qu'en Bretagne, à ce moment-là, il y avait Quimper, il y avait Brest, pas Guingamp encore dans le temps. Hein, Lorient, bon, malheureusement, ils étaient un petit peu joués là. Mais non, même pas Saint-Brieuc. Non, même pas Saint-Brieuc. Mais c'était au niveau vraiment Quimper, Brest et nous, c'était du niveau D1. Ouais. Et Brest, c'était avec Cabanas et tout ça. Peut-être par les anciens. Il y a eu des bons noms à Brest. Oui, avec Quimper, pareil. Hein, quand on me pose la question, Eric, contre qui tu as eu le plus de mal comme attaquant? Moi, je dis toujours Philippe Mahut, hein, qui était aussi à Paris et tout ça, il a joué. Bah, c'était vraiment du niveau, hein. Lui en stopper, mais c'était l'intelligence et il savait jouer au ballon. Alors la Bretagne, terre de foot, et ça se traduisait dans ces équipes-là, simplement. Ouais. Super intéressant. Et juste, on continue avec la galerie de photos parce qu'il n'y en a pas qu'une, bien évidemment. Donc, c'est ah, voilà, oui, la fameuse moustache, oui, ça. Pour moi, ce qui est hallucinant, parce que bon, c'est vrai, je sais que mes statistiques sont pas si mal quand même au niveau but, mais on me parle d'abord de cette moustache. Oui, moustache. Et ça, c'est quand même incroyable. Moi, c'est le short court. Oui, oui. C'était sexy quand même, non? Ouais, t'étais tout beau, tout bronzé là. Ouais, après, c'était après la vacance d'été. Après la vacance d'été. Oui, c'est pas le bronzage breton. Ouais, non. Bon, je rentre 2 semaines en Hollande, c'est tout. Hein. On se manque d'un Kélélé, un peu des shorts comme ça. Donc, on va passer à la prochaine photo. Ah, bien sûr, nous vous attendons, cher Marie. Pas de stress. Ah oui, c'est Marie la même période. Oui, voilà, là, on voit bien. Et honnêtement, moi, personnellement, parce qu'on me dit toujours, ah oui, Eric, la moustache, hein, parce qu'on revient là-dessus, c'était à la mode. Pour moi, ce moustache n'existait pas. Ce machin a commencé à pousser à 15 ans. Je l'ai coupé de... Je te vois là. Et c'est vrai, pour moi, il n'existait pas et je ne le voyais pas. Mais bon, c'est vrai, tout le monde parle de cette moustache. Ah non, mais c'était vraiment... Il était présent, je sais. Bon, OK. Et Pfizer Mecadox, bon, bien sûr, c'était pour des animaux d'antan. Pfizer, bon, ouais, c'est vrai, avec le COVID, tout le monde a connu bien Pfizer quand même. Sûr. Pour le Viagra aussi. Hein, désolé. Je crois que la prochaine photo... Ah oui, voilà. Ah, ouais, c'est contre Brest. Mmh. Oui, c'est pas le deuxième, parce que c'est un match contre Brest, je crois, celle-là. Et bon, comme je disais tout à l'heure, Brest, il y avait une grande équipe et c'était toujours, bon, c'était entre des grands clubs de la Bretagne, dans des jolis derbys, et c'était plein dans le temps. Hein. On avait le stade plein, même si ce n'était pas 28 000, mais on était à 20 000 hein, environ quand même. C'est quand même pas mal pour la D2. Et c'est vrai, c'était des jolis combats. Et dans le temps, il y avait à Brest, il y avait Cabanas, qui était un joueur avec beaucoup d'histoires autour aussi, où le président est allé le chercher en Colombie avec son avion privé et tout ça. Mais c'était un très bon joueur. Alors, au niveau buteur, on était avec Cabanas. On était 3-4, tout ça. Ouais, à se tirer un peu la bourre. Pas consciemment, parce qu'il fallait simplement gagner. Mais ça, le classement des buteurs, ça s'est tiré la bourre la première année. Oui, c'est vrai. Tu avais fait 20 buts. Oui, c'est vrai, mais bon, honnêtement. Ça se faisait automatiquement parce que bon, on était là pour gagner le match d'abord. Et comme moi, j'avais la position de numéro 9, et oui, assez présent devant le but, alors je marquais beaucoup de buts. Mais ce n'était pas pour gagner contre Cabanas ou quelque chose. Ouais, vraiment pas. Ce n'était pas l'esprit. C'était pas l'esprit. Les pénaltys ou pas? Oui, tout à fait. Oui, aussi. Il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Je regarde. Attends. Ah, voilà. Je crois qu'il n'y avait pas eu beaucoup de pénaltys. Hein. Ouais, voilà. Qui regarde les pénaltys. Ah. Toi aussi, tu peux tout. Te comparer à un joueur actuel pour les plus jeunes qui nous suivent, à quel joueur tu pourrais te comparer dans le style un peu Bon, j'ai pas la tête de Mbappé, alors je dirais pas ça, mais non, c'est compliqué à dire parce que le style de jeu a tellement changé. Alors, quand moi j'ai joué en vrai numéro 9, tu sais, on jouait avec deux ailiers. Alors, et c'est juste après que le système de jeu commençait à changer, on pourrait dire en 4-4-2 et tout ça. Alors, c'est là où les attaquants changeaient aussi un petit peu de type. Alors, c'était plus de dribbleurs qui venaient chercher le ballon au milieu de terrain. On a commencé à demander plus de choses aux attaquants, mais en étant, moi, je trouve... Des choses différentes. Moins exigeant. Toi, à ton époque, en gros, on demandait à un numéro 9 de marquer des buts. Mais c'était facile, hein.
Bah, c'était bah, moi, j'avais qu'à être là devant le but, alors bah, c'était facile. Ouais, tu prenais des coups. Non, ce n'est pas une question de plus facile ou plus difficile. C'est différent. Alors, c'était là, parce que souvent, les défenseurs, ils étaient focalisés sur le buteur. Mmh. Alors, tu te faisais le stopper. Il n'avait qu'un rôle. T'arrêter. Ouais, alors, c'est ça. Et les libéraux qui devraient soutenir dans le dos. Et temps même, il y a des matchs, tu as dû t'amuser. Hein. Non, mais c'est pas grave. Le kiné avait du boulot. Oui, mais c'est pas grave. On a grandi avec. Alors, le système de jeu a changé. Mais, comme tout est un cycle, on voit quand même que maintenant, je sens que parfois, ce grand joueur, parce que le foot est devenu un petit peu plus athlétique quand même, ce grand joueur devant le but, qui peut tirer l'attention sur lui, bien et sûr. Qui peut jouer dos au but et avec comme je disais tout à l'heure, Kalimuendo autour, Terrier qui vient bien en mouvement et tout ça. Alors, je crois qu'on revient un petit peu là-dedans. Alors, dans le jeu d'aujourd'hui, dans le jeu de Rennes, je dirais, ah oui, mais un grand, je dirais, comme moi, hein, mais ça, c'est pas moi, mais dans ce style, ça sera pas si mal. Ah ben, bien sûr. Voilà, c'est ça. En association avec Terrier devant, ça serait... Alors, je crois qu'il y a des phases de jeu et là, on revient un petit peu de temps en temps. On ne va pas jouer dans le 4-3-3, n'importe. Hein, ça, c'est simplement des mots. Mais là, il faut un effectif de 20-25 joueurs avec des types différents qu'on adapte, pas adapté à l'adversaire, mais qu'on adapte notre jeu pour jouer contre un adversaire et les dominer. C'est ça. J'ai la réponse, hein, sur 54 buts, c'est seulement 3 pénalités. Ah, ça va quand même. Ça va. Alors, c'est un vrai buteur. J'avais pas besoin de ça. Ni la coup franc. C'était bien Patrick Lamontagne qui l'a tiré. Alors, j'étais beaucoup mieux que ça. Oui, voilà. Bon, on va terminer avec la galerie de photos. Spécial avec Pierrick, qu'on salue, qui était, oui, qui était là il y a deux semaines. Qui était vraiment très bon aussi. Oh, quel gars, mais c'est un gars. Moi, c'est la première fois que je le rencontrais. Moi, je suis tombé c'est un gars nord. C'est un gars nord. Il est exceptionnel. Voilà. Et là, c'est la fameuse soirée à Lorient. C'est même là-bas, à l'hôtel. Ah. Et il y a des gens autour que je croise encore maintenant qui me disent, écoute, Eric, c'est moi sur la photo. Parce que je connais la photo. Et bon, il y a un bon petit bouteille de champagne, je crois qu'on méritait, parce que c'est vrai, on a fait la montée dans une ambiance magnifique. Et oui, avec Pierrick, c'est moi, mais c'est vrai, on avait une équipe assez solidaire tant de temps. Et c'était les trois derniers mois de cette saison-là, on ne jouait pas bien. On ne jouait même pas bien. Mais on s'est battu ensemble. Et finalement, à Lorient, dernière minute, c'était vraiment un scénario Hitchcock à ce moment-là. Quand le match chez nous était fini, il restait 4 minutes à jouer à Valenciennes, qui pouvait monter aussi. Alors, nous, on dépendait du résultat à Valenciennes. Alors, toute la tension qui était magnifique. Et finalement, bien sûr, c'était nous. Et bien sûr, on a fait la fête. Et oui, la rentrée à Rennes. Et oui, on est arrivé, je crois que c'était à minuit sur Rennes. On ne pouvait pas sortir parce qu'il y avait trop de monde. C'était à la place de la mairie. Et bien sûr, c'est beau. Bien sûr, c'est beau. Génial. Des souvenirs à vie. C'est ton meilleur souvenir, ça, Eric, Oui, on me pose souvent la question. Bien sûr, c'est un souvenir super important dans ma vie de professionnel parce que j'avais 23-24 ans à ce moment-là et j'avais une rôle même assez central dans l'équipe avec d'autres joueurs, hein, mais quand même. Alors pour moi, personnellement, ils étaient très bien ici. Mais je dois être honnête, le Coupe du Monde Junior, duquel j'ai parlé tout à l'heure avec l'équipe nationale à 17 ans, bien sûr, c'est une expérience extraordinaire. Mais j'ai des souvenirs très forts quand j'avais 6 ou 7 ans dans mon club amateur, parce que ça se vit aussi. Alors je crois que c'est ça surtout qui est important aussi pour des jeunes joueurs. Ben, il faut apprécier tout moment. Et même si tu fais une très belle carrière après, PSV Eindhoven, un début contre l'Ajax. Bien sûr, c'est un début de rêve quand tu marques. Bien sûr, je n'oublierai jamais. Mais alors, ça dépend dans quelle phase. Alors, j'ai des phases à 6 ans, j'ai des phases à 12 ans, j'ai des phases à 8, 18 ans quand j'ai fait mes débuts ici à Rennes et à Lausanne et tout ça. J'ai passé des très bons moments. Mais c'est vrai. Rennes, c'est un petit peu particulier quand même. Plus. Oui, tout à fait. Je reprends juste, David, tu nous donnes un peu l'actualité en ce moment. Il y a l'équipe de France Espoir qui joue en ce moment à Sochaux, France USA. Donc, Kalimuendo titulaire et Truffert et Doué sur le banc. Doué qui sortait d'un doublé contre la Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, je pense que Thierry Henry va faire tourner. Donc, on verra le score plus par la suite. Mais c'est vrai que c'est intéressant. On a beaucoup de Rennais et même d'ex-Rennais qui sont présents dans cette sélection. Ouais, c'est clair. Qui pourraient faire les JO. Ouais, moi, j'aimerais bien. Ouais. Tu vois, même si nous, ça va nous handicaper. Oui, va, voilà, mais. Pour un gamin comme ça, pouvoir faire les JO, ça serait beau. Quoi. Ce sont des choix assez délicats.
et pour le staff, et pour les joueurs, et pour tout le monde. Faut qu'il y ait une vraie pour le club. C'est délicat. C'est compliqué. Oui, voilà. Dans une carrière d'un sportif, de faire des JO ou une Coupe du Monde, comme je disais, junior ou U19. C'est des choses qui marquent. Oui, ça marque. Mais de l'autre côté, tu as des responsabilités envers un club qui, et envers un public et tout ça. Alors ça, c'est délicat. Est-ce que, pour revenir à l'actualité aujourd'hui, est-ce que d'abord, je ne sais pas s'il reste des photos, Marie ? Ok, ça marche, pardon, excuse-moi. Donc, on va passer à la fin des photos. Oui, voilà. Ça, c'est un des photos favoris, en fait, de toute ma carrière. C'est avec Bob Sinoussi. Et Bob, déjà, bien sûr, c'est un gars en or. Super avec qui gars. Je m'entendais, oui, avec qui je m'entendais très bien. Mais pas que ça, ça. Je pense que la photo représente un petit peu tout. Tout ce oui, que j'ai que vécu. Tout ce que j'ai vécu ici à Rennes. C'est le bonheur, hein, c'est le bonheur naturel. Albert Fallette derrière avec son fameux sourire, mais qui était une bête derrière, qui arrêtait tout le monde. Alors c'est bien. Non, mais je crois que ce bonheur-là, qui est naturel, ça ne s'invente pas. Et pour moi, cette photo représente ma période à Rennes dans le bonheur. Bon, probablement, j'ai marqué, hein, bien sûr. Ça fait du bien. Mais c'est souvent les buteurs, vous êtes très investi dans l'équipe, hein, souvent. Oui, et ce n'est pas toujours honnête parce que bon, tout le monde fait son travail. Mm. Et bien sûr, parfois, tu mets un but tellement facile, tellement simple, où il y a eu énormément de travail autour. Mais je crois que c'est surtout cette solidarité de cette équipe, de cette époque-là, où on passait d'un bon moment avant le match, après le match, ensemble, qui justement, dans des périodes difficiles, faisait qu'on était, on se battait ensemble. Mm. Et pour moi, cette photo-là représente énormément de choses. Déjà, je préviens nos fans, on va déplacer un peu le temps d'émission parce que là, on se régale. Et désolé. On voit chacune de tes paroles. Et on va terminer par la dernière photo. Oui, on a un peu la photo d'équipe. Oui, voilà. Tout le monde est là. Hein. C'est la fameuse équipe. Et ça, c'est l'année de la montée avec notre président d'antan, M. Soukeret, qui était le PDG de Pfizer, qui nous faisait le plaisir 2-3 fois par année de descendre de Paris. Et c'était un monsieur que je me rappelle très distingué, mais qui ne connaissait rien au foot, hein, qui était très sympathique. Hein, il était adorable et je crois qu'il comptait sur Raymond et le staff pour faire le travail. Mais c'était monsieur adorable et monsieur Pinault qui est arrivé 2 ans après. Mmh. Et je pense que, c'est bien sûr, c'est un bonheur pour le club. Il est arrivé et qui a géré de manière très, très, très intelligente, petit à petit, la montée du club. Bah oui. Et qui fait confiance à certaines personnes, mais tout en gérant tout ça de l'extérieur. Mais ça, c'est une belle équipe, je crois. Est-ce que c'est pas mal du tout. Hein. Alors, Pierrick, qui est à côté de moi, justement, qui était là il y a 2 semaines. Serge le disait, qui était après à Nantes, hein, qui a fait d'abord un bonjour du Grand Nantes. Mmh. Patrick de la Montagne, bien sûr, numéro 10 de grande qualité. On peut passer tout, hein, malheureusement, Jean-Luc Rubard aussi, qui est décédé et tout ça. Mais que des bons joueurs. Mmh. On avait vraiment une équipe de D1 et on jouait en D2. C'est ça qu'il faut dire. Moi, c'est l'époque où j'ai commencé à aller au stade et puis tu parlais de... C'est vrai qu'il y avait déjà une ambiance à cette époque-là. Oui, Et tu vois, moi, à 6, 7 ans, 8 ans, analyser du foot, déjà qu'aujourd'hui, à 40, j'ai encore du mal. mais à 6, tu t'imprègnes de l'ambiance et des émotions que les gars te font vivre sur le terrain. Et ce groupe-là, c'était du bonheur. Mais même moi qui venais du PSV, PSV Eindhoven, c'est quand même un grand club et on avait un joli stade et tout ça. Mais ce qui m'a surpris quand je suis arrivé en France, dimanche après-midi, et je voyais papa, maman avec leurs 2 enfants, avec le baguette sous le bras et la bouteille, et ils pouvaient prendre le pique-nique dans la tribune. Ça a l'air très bon, on ne peut plus imaginer ça, mais c'était beau. Alors, et nous qui passions du centre formation, on faisait notre collation, on passait dans la tribune pour aller dans la vestiaire et on papotait, on discutait avec des gens. Tu ne restais pas 10 minutes. Hein, mais tu sortais, allez Eric, tu vas marquer aujourd'hui, tout ça, tu prenais ça. On peut dire aujourd'hui, ça déconcentre et tout ça. Honnêtement, non. Plutôt le contraire. Plutôt le contraire. Et tu ne vas pas rester 10 minutes, 2-3 phrases et hop, tu continues. Ouais. Et justement, c'était l'esprit dans le temps. Et c'est vrai, quand des gens m'en parlent de cette période-là, c'est avec beaucoup de nostalgie, ce qui est logique. Mmh. En tout cas, on en profite aussi pour saluer Philippe Leduc, qu'on voit sur la photo. Duc, on t'embrasse très fort, on pense très fort à toi. Et on prendra contact avec toi, Guéry, qui veut te revoir à Cesson, au Cessonnet pour un café. Le rendez-vous est pris. Avec grand plaisir.
Donc, on va revenir à l'actualité. Donc, Brémois, tu peux nous décrire un peu ton activité du moment. Donc, tu es dans la communication aussi. Oui, tout à fait. Bon, c'est peut-être bizarre à dire pour un Hollandais, mais j'aide des commerçants et des entrepreneurs français à communiquer sur des réseaux sociaux. Alors, ça s'appelle Community Management, ou responsable de réseaux sociaux. Et j'ai fait de la mise en relation. Alors, je m'occupe de tout pour mes clients. Il y a un côté technique, alors des montages photos, montages vidéo, comme j'aime bien de jolies choses. Mm-hmm. Et ça, je fais depuis 40 ans déjà, j'ai toujours aimé. Et après, je dynamise le réseau social. Et bien sûr, il y a un mix de choses. J'utilise un petit peu cette notoriété ou cette histoire du Stade Rennais et VDB. Ça s'appelle VDB Concept. Et oui, j'ai de la chance d'être très bien accueilli dans la région depuis que je suis revenu. Et je fais profiter mes clients de tout ça. Et ça se passe dans la bonne humeur, je dois dire, et avec le sourire. Et je pense que et mes clients et moi, on est heureux dans l'affaire. N'hésitez pas, comme vous pouvez le voir, ils sont très bien vus que certains Français. Et vous ça profitez va. La même élégance sur le terrain que maintenant. Aujourd'hui, merci. On retrouve cette élégance. Donc, n'hésitez pas à contacter Eric. Et parmi les joueurs actuels, est-ce que tu as un chouchou, un petit préféré ou pas pas obligatoirement cet effectif, mais même sur les 30 dernières années, est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont marqué au sein du Stade Rennais? Oui, bien sûr. Bon, vous avez eu Pierrick ici il y a 3 semaines. Pierrick, c'est un gars à Nord. Alors, Pierrick, il était comme ça il y a 30 ans. Et il était comme ça il y a 40 ans. Et il passe comme ça demain. Alors, on adore tous Pierrick. Mais ce que moi, quand je suis arrivé, et c'est même si on était complètement différents au niveau caractère et tout ça, mais c'est cette complémentarité avec Laurent de la Montagne. Et c'est vrai, il y a ce... Le seul fois que quelqu'un a réussi à me faire de la pêche dans ma vie, c'est loin dans la forêt de la Bouxière. Mais c'est vrai, on a passé une très belle journée avec Serge Lédizé, on a fait un pique-nique après avec nos copines et tout ça. Mais c'est vrai, alors oui, je note Laurent, mais surtout, je crois que ce qui était important pour moi au début, Laurent, Serge Lédizé, il y avait Thierry Turban et... Il n'y avait pas que moi. J'étais là avec ma copine, après la maman de mes enfants. Alors aussi, la copine ou la femme des joueurs, la femme à Pierrick qui s'en occupait très bien aussi de ma copine, qu'elle se sentait bien. Alors, ouais. On était heureux en Bretagne, ce qui fait ce que tu joues bien, ce que tu joues mieux. Alors oui, je sors toujours un petit peu Laurent parce que cette complémentarité était très présente sur le terrain et c'était un bonheur en footballeur. Et on avait notre vie à l'extérieur. Il se passait très bien, mais Bob Sen aussi, Jean-Christophe Cano, on en a fait des trucs en ville. Alors, Dans les années après, là, dans les années 2000, est-ce qu'il y a des joueurs à Rennes qui t'ont... Il y a eu un trou avec le Stade Rennais parce que mon départ était un petit peu délicat, c'était un petit peu compliqué. Et c'est vrai, j'ai eu un trou avec le Stade Rennais. J'ai quitté le Stade Rennais pour Rouen. Ouais. C'est Pierre Garcia, aussi décédé, mais un très grand monsieur pour moi qui m'a fait venir à Rouen, qui était mon entraîneur là-bas. Et c'est vrai, je suis parti à Lausanne Sport après, en Suisse, et j'ai eu un trou avec la France, en fait, pendant 20 ans, parce que c'est vrai, ça ne m'a pas fait plaisir comment j'étais forcé de partir du Stade Rennais, il faut être honnête. Un peu comme Thierry. Non, bon, on ne va pas rentrer dans des détails. Moi, je suis curieux. Oui, je comprends, comme beaucoup de monde. Parce qu'en plus, non, mais surtout, ce qui me chagrine, c'est que cette intersaison-là, on prend au même BIC. Oui. Et alors, le bonheur que ça aurait été de vous voir associé. Ah oui, je comprends. Parce qu'au même BIC, qui sortait d'une très belle Coupe du Monde, qui était quelqu'un de très sympa et un très bon joueur. Ah ouais, alors ça, je comprends bien. Je pense que ça aurait pu être... Oui, et c'est même pas que la complémentarité. Il y a une chose, mais je crois qu'on aurait pu utiliser la qualité de tout le monde dans une saison après. Mais bon, il faut savoir aussi que dans le foot, parfois, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec bien le sûr. Foot. Même si dans le temps, on a essayé de présenter ça comme ou un problème financier ou un problème tactique, c'est vrai, ça m'a fait mal. La manière que j'ai dû partir, que ce n'était pas très respectueux. Mais bon, peut-être on doit dire, bon, je crois que je suis quelqu'un qui communique assez facilement. C'était déjà le cas à 23 ans. Peut-être que je prenais un petit peu trop de lumière dans le temps. Et ça dérangeait Peut-être. Alors, c'est toujours compliqué, mais c'est un petit peu malheureux. Ça aurait pu se passer différemment dans ce temps-là. J'étais très mûr pour mon âge, à 23 ans. Si on m'aurait dit, écoute, Eric, on veut faire autre chose, alors on va se quitter. Bah, comme ils ont fait avec Pierrick, en fait. Avec Pierrick, ça... Oui, et qui méritait. Bon, avec moi, ça s'est fait différemment. Pour être honnête, 2 jours après la montée...
À Lorient, j'ai reçu un coup de fil comme quoi que je ne faisais plus partie de l'équipe première. Alors, ça fait... c'est, ah pas oui. beau, c'est pas beau, ça. Ouais. Alors, bien sûr, ça fait mal quand tu joues avec ton cœur. J'ai gagné ma vie avec le foot, mais j'ai joué avec mon cœur. Bien sûr, ça ne fait pas de bien. Il y a des raisons derrière qui n'ont rien à voir avec le foot et qui ne sont pas OK. Alors, mais entre-temps, il y a 37 ans de passé. Mais tu n'es pas rancunier, au moins. Non, 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 parce que ça, c'était deux personnes. En fait, c'était deux personnes dans une staff qui avaient de l'influence. Ouais. Alors, entre-temps, le monde a changé, ces gens sont plus présents et tout ça. Et bien, bien sûr, quand tu es un jeune footballeur qui joue avec son cœur, même si j'ai gagné ma vie avec, et mais j'étais là, je suis resté à Rennes pour devenir champion avec Rennes. Et heureusement, ça, on a réussi. Mon départ, même si je devrais partir, ça aurait dû se faire différemment, avec un petit peu plus de respect. Alors, c'est là où je suis parti à Rouen au tout dernier moment. Il y a eu une pétition, bien sûr, ça fait chaud au cœur. Oui, je me souviens. Oui, il y a eu une pétition que 3 ou 4 000 Rennais finalement avaient signé. Il faut qu'on garde VDB et tout ça. Bien sûr, ça ne se fait pas. Mais je remercie des gens, bien sûr, pour ce soutien. Mais Rennes, 30 ans après, bah, tu es chez nous. Les... Oui, c'est ça. Enfin, au stade, les amoureux du Stade Rennais te connaissent tous. Hein, Est-ce que pour les remercier, tu as marqué que c'est bon contre oui, le Stade? Oui, c'est ça. Non, c'est Thomas qui nous oui, le rappelle. Oui, c'est ça. Mais honnêtement, pour moi, c'est un magnifique souvenir, ce match. Pas parce que j'ai éliminé Rennes, parce que ça faisait même un petit peu mal, mais surtout l'accueil. Il y avait 8 ou 9 000 spectateurs, j'ai vu ça dernièrement parce que ça date maintenant un petit peu. Et il y avait la moitié rouennais et la moitié rennais. Et quand je suis remonté sur le terrain, tout le monde scandait mon nom. Alors, bien sûr, ça fait chaud au cœur, bien sûr. Et surtout, après le match, il y a encore des images de ça, mais ça, il n'y a pas ici. À gauche, des supporters rennais, à droite, des supporters rouennais. Et tout le monde qui était là autour de moi. Et tu as rassemblé tout le monde. Que, oui, voilà. Alors, ça fait chaud au cœur. Et je dois dire, 37 ans après, peut-être aussi un petit peu ce mystère, pourquoi VDB devrait partir, toutes ces questions que même moi, je ne savais pas au début. Hein. J'ai que su la vérité quelques années après. Chouchou, voilà, oui, c'est ça. Alors, ce manière de me recevoir 37 ans après, même pour moi, parfois, c'est choquant de voir que 37 ans après, ils n'ont pas oublié la moustache. C'est légendaire. Je vois que ça a marqué d'autres personnes aussi dans notre public, mais c'est vrai que la moustache de VDB, c'est quelque chose qui a marqué, qui a marqué les supporters. Donc, pour rester sur cette fibre Stade Rennais Hollande, est-ce que, comme on l'a posé la question dans le chat, qu'est-ce que tu as pensé des compatriotes qui sont partis au sein du stade, notamment l'actuel Mathieu Ziwa? Alors, honnêtement, je n'ai aucune opinion là-dessus parce que je ne le connais pas personnellement, que je lui souhaite que de réussir, bien sûr. Et s'il arrive à sentir ce force breton qui quand même existe encore dans l'équipe, même si l'équipe et même si le stade et même si le paysage a changé, hein, c'est vrai, il y a encore peu de joueurs qui restent plusieurs années. Il y a peu qui ont ce lien. On a Brugeot maintenant, c'est magnifique, des choses qui se créent, mais c'est rare. Alors je ne peux que souhaiter, compatriote ou pas, hein, qu'il y a un lien qui se fait avec l'équipe et qui se battent pour ces couleurs, qui sont sacrées. C'est ça, c'est ses débuts sont réussis, en tout cas. Oui, voilà. Bien sûr, et c'est un joueur utile, c'est un joueur qui tient la route et tout ça, alors qui ne fait pas de conneries. Non. Alors, un profil qu'on n'avait pas. Alors qu'on lui donne un petit peu de temps, mais après, le temps, il n'y a pas dans le foot. Alors, qui s'adapte vite, qui fait des efforts, que n'importe quel joueur qui fait des efforts de s'adapter, de s'intégrer dans l'équipe et dans une région, parce que justement aussi de se sentir bien veut dire que tu joues mieux. Bien alors, sûr. Et dans les moments où il sera un peu moins bien, le fait qu'il fasse toujours des efforts, ça lui donne. Des gens ici te soutiennent. Alors, si tu mouilles le maillot, voilà, des gens sont derrière toi. Même tout le monde comprend bien qu'un sportif ne peut pas toujours être. Voilà, alors si tu mouilles le maillot et tu te donnes, alors des gens te soutiennent ici. C'est ça le Stade Rennais. C'est ça. C'est beau, excellente réponse depuis le début. C'est vraiment un excellent communicant et ça nous fait vraiment plaisir de l'avoir sur le plateau. Excusez-moi, il faut que je rapproche le micro. Donc, est-ce que vous avez des questions pour. Même sur le chat, n'hésitez pas. Si vous avez des questions pour Eric. Ben non, moi j'aimerais. C'était cette histoire de départ qui me chagrinait. Et puis je te dis, cette association avec Omambi, qu'est-ce que ça aurait été beau.
Oui, je sais, honnêtement, parce que j'ai posé la question un mois avant la fin de la saison, parce que j'avais senti quelques rumeurs. J'ai posé la question à Raymond. Écoute, Raymond, j'entends que tu veux te débrasser de moi et tout ça. Mais non, 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 Eric, parce que bien sûr, on était en train de jouer pour la montée. Oui, je comprends bien qu'il ne m'a pas répondu. Voilà, c'est ça. Mais honnêtement, quand je vois le style de jeu d'Omambik, qui est un super joueur et tout ça, et moi, non, je ne sais même pas si ça aurait été super. Parce ouais. que, non, 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 vraiment, parce que je crois qu'on était tous les deux des joueurs quelque part dans l'axe quand même. Alors, lui un peu dans la même zone. Oui. Oui, oui, voilà, dans la même zone. Alors, je pense que ça, c'est là où ça a généré un petit peu. Mais déjà, dans l'évolution du foot, il aurait fallu plus de joueurs dans un effectif, et surtout en D1, hein, ah, on oui, appelait ça comme ça dans le temps. Ça, alors là, ce côté-là, je pourrais être très utile, je pense. Mm. Je sais bien que dans le temps, c'était un petit peu l'excuse. Oui, mais pour la D1, est-ce qu'il a limité ou quelque chose? Bon, là, j'ai dit en plus. Les buts font la même taille, le ballon est le même. Oui, hein, oui, oui. Non, mais le jeu est différent. Le jeu est différent. Ça, je comprends tout à fait. Mais bon, là, j'ai dit en toute modestie, qui n'est pas de la modestie, mais on n'a qu'à regarder qui a marqué contre les équipes de D1. Mais je veux dire, ce n'est pas compliqué. Sûr. Alors voilà, les stats sont là. J'ai joué avec le PSV Eindhoven. J'ai joué après en Lausanne Sport, en niveau Ligue 1, on peut dire quand même assez important, où j'ai marqué mes buts. Alors, je pense que là, oui, ça, nous, ça on n'en discute pas. Ça, ouais. ça nous pas alors voilà, quoi. Là, c'est un petit peu le côté autour. Mais encore, c'était une décision prise qui n'était pas OK, mais il était prise. Et ça s'est passé de cette manière-là. Et je suis super... je remercie des gens qui m'ont soutenu dans ce temps-là parce que c'était magnifique. Il y a eu Rouen, Rennes pour la Coupe après. Et oui, c'est vrai, c'est moi qui ai marqué le but de 1-0 et qui a éliminé Rennes. Bien sûr, la presse a sauté dessus, le pied de nez de VDB et tout ce titre-là. Ce n'était pas du tout avec cette idée, mais je suis sur un terrain de foot pour gagner, pour marquer. Alors, c'était contre mes anciens coéquipiers qui m'ont salué aussi après. Alors, c'était ça l'ambiance. Mais qu'est-ce que j'aurais dû faire? Ne pas marquer cette occasion? C'est clair. Mais pour moi, c'est un super souvenir en tout cas. Sur le chat, on demande de Digno35, on salue dans le football actuel, quel joueur te ressemble de plus? Donc, on avait demandé Sadranem et tout. Oui, mais c'est compliqué parce que bon, c'est vrai, tu sais, le football, j'étais grand déjà, bien sûr, on pourrait m'appeler athlétique dans le temps, 1m86. Oui, non, mais le foot est devenu tellement athlétique, alors des attaquants devant le but, un petit peu costaud et tout ça, il y en a maintenant. Mais il y a un autre. Les joueurs sont plus complets d'une certaine manière athlétique, pour moi un petit peu moins malin au niveau prise de position, pour être honnête. Alors, alors les tendances ont changé. Alors, je ne pense pas qu'on peut, si on regarde des images des années 60, après 80 et 2000, bon, dans les années 60, tu vois des images, mais des joueurs, ça ne va vite. Hein. Pas, ben voilà, quelqu'un pourrait prendre le ballon, s'asseoir dessus, le défenseur, il n'arrivait même pas. mais c'est un petit peu ça. Mais c'était du top niveau dans le temps. Alors, est-ce qu'on doit comparer? Non. Alors, est-ce que c'est grave de ne pas comparer avec... Je ne saurais pas. Honnêtement, je ne saurais pas parce que le style a tellement changé. Que, mais mon style de joueur... va revenir, je pense. Parce que c'est la tendance, je crois. Ouais. Parce qu'il sera utile en certaines phases de match où il faut jouer sur des côtés, où il faut mettre du pression, où il faut vraiment une présence devant le but. Le joueur, le renard de surface, comme on m'a appelé. Terrier, c'est un petit peu pareil quand même, dans le sens que où lui, si on doit dire quelqu'un du Stade Rennais, c'est Terrier, parce qu'il bouge bien devant le but. Il vient en mouvement. Il joue avec... Oui, mais c'est même pas sa taille. Non, c'est même pas sa taille. Il est bon de la tête. Oui, oui, non, mais c'est vrai, parce qu'il a un bon timing. Mais tu sais, il y a des joueurs qui sont grands, mais qui marquent jamais de la tête parce qu'ils n'ont pas un bon timing. C'est ça. Alors, bon, on a eu un grand, alors tout est dans le timing, mais c'est surtout, je crois, que l'intelligence, et c'est le sens du but aussi, il faut l'avoir. Alors, il vient en mouvement, premier poteau, deuxième poteau, on sent le buteur. Alors, si je devrais me comparer avec quelqu'un, même si on n'a pas la même taille et tout ça, ben, je dirais plutôt Terrier. Oui, c'est ça. Ouais, moi, j'aurais dit pareil, ou j'aurais dit aussi Laborde, tu vois. Oui, tout à fait. Alors voilà, même s'il est parti, mais je suis tout à fait d'accord, mais c'est un petit peu le même style. Et dans le temps qu'on jouait avec... Il a un côté un poil plus renard des surfaces. Oui, parce qu'il est plus petit. Moi, j'étais le vrai joueur de... Comme avec ma taille et tout ça, j'étais un joueur de tête, j'avais un bon timing, des joueurs venaient plus du côté. Maintenant,
on va plus chercher des ballons qui pénètrent dans la surface. Hein, on dribble plus. Il y a beaucoup plus de touches de balle. Bien sûr, bah oui. Trop, à mon avis, pour être honnête, en hollandais tacticien, je parle. Moins de 10 aussi. Oui, voilà. Hein, mais oui, tout à fait, l'aborde, parce que c'était l'intelligence. Bon. C'est peut-être pas modeste, mais c'est l'intelligence devant le but, de bien venir au bon moment, et c'est ça. Un des premiers buts que Laborde a marqué chez nous, c'est une frappe de je ne sais pas qui est repoussée par le gardien. Et il est là. Et Laborde, il est là, il pousse. Et je me souviens, l'émission d'après, j'ai dit, ça, c'est un but qu'on va voir 10 fois de Laborde. Parce qu'il sait marquer ses buts, il sait placer, il sent le jeu, il a un côté vrai neuf qui, moi, me plaisait beaucoup. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Tout à fait. Dans le chat, on nous propose, Guillaume qui nous propose, est-ce que Guirassy Giroud, c'est des joueurs qui se rapprochent de toi ? Guirassy, au début, je me suis dit, c'est pas une question que ça me rapproche, mais j'ai trouvé qu'il ne pesait pas assez lourd sur une défense. Il savait marquer des buts, mais il n'y a pas que d'un moment pour marquer pour quand tu es buteur. Il faut peser sur une défense, il faut faire peur. Alors, il faut savoir tenir une défense derrière au lieu qu'ils montent. Oui, mentalement, mais aussi qu'ils n'osent pas monter. Mmh. Qu'ils disent, mais lui, si on lui donne un petit peu d'espace, on ne va pas monter parce qu'il va marquer. Mmh. Alors, et c'est là où tu gardes deux joueurs derrière, déjà par ta présence. Et c'est là où je trouvais qu'il avait... Il manquait, et je suis super content pour lui ce qu'il a fait. Vraiment, j'ai l'impression qu'il s'est amélioré là, de ce côté-là. C'est incroyable, c'est vrai, parce qu'honnêtement, moi, je n'étais pas du tout positif par rapport à ses qualités-là. Pour moi, il ne pesait pas assez. Bah, top, ce qu'il fait, que du respect. Mais en étant buteur, il y a le moment, et c'est un moment, deux moments dans un match, mais tous ces 88 minutes où tu dois faire peur à une défense qui dit, mais si lui, on lui laisse... C'est ces deux moments-là voilà, où tu dois voilà, et tu gardes des défenseurs derrière, alors ça veut dire qu'ils ne peuvent pas donner du soutien au milieu de terrain, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas donner du soutien à l'attaque devant, et ça change le jeu. Et ça change le jeu. C'est tout. Prestance. Important. Je fais un bisou à Xavier là, qui est sur le chat. On profite pour saluer tout le monde. Il y a Chio qui nous dit, Terry, c'est un top joueur humain, c'est vrai. Il nous dit Van Basten savait tout faire, la tête et dans la finition. Ah Van Basten, si vous avez loupé le début d'émission, qui a joué, c'est Van Basten qui a joué. Oui, voilà. Non. Mais quand on me demande le joueur pour lequel j'ai le plus de... Parce que moi, je n'ai pas d'idole, je n'ai jamais eu d'idole. Mais c'est vrai, c'est Marco Van Basten, pourquoi ? Oui, on s'est côtoyé, on était ensemble en chambre avec l'équipe nationale et tout ça. Mais on sentait déjà à 14 ans, même s'il avait, comme nous tous, hein, quand tu grandis, tu as des problèmes physiques et tout ça. Il avait pas mal, et c'est ça qui nous faisait que nous, on jouait. Moi et Johnny Bosman qui était à Toulon et tout ça, mais on sentait qu'il avait le truc en plus. En plus, c'est un gars bien. C'est un gars bien qui était intelligent ou qui est intelligent. Alors, c'était quelqu'un d'agréable. Alors, quand on me dit, écoute, Eric, pour qui, c'est qui le joueur qui impressionnait le plus? Ce n'est pas une question d'impressionner, mais je donne Marco Van Basten son nom parce qu'il avait le tout, c'est vrai. Pied gauche, pied droit, de la tête. Il avait ses moments, tu sais, ingénieux. Et en plus, c'était un gars bien. Alors, qu'est-ce que tu veux de plus? Ah, quel gâchis, lui. 29 ans, ça. Oui, ma blessure, oui. Bon, bien sûr. Ouais. Bon, il s'est fait, en Italie aussi, il s'est fait massacrer souvent. Ouais. Alors, c'était ça surtout qui était dommage, tout à fait. Et Lucho, il disait, Aubameyang savait tout faire aussi. Mais c'est vrai, oui, tout à fait. Magnifique but à son début contre le PSG, un but de la tête, majestueux. Non, tout à fait. Ouais, c'est vrai que là, désolé, je ne vais pas pouvoir lire tous les commentaires parce que c'est vrai qu'on pourrait faire plaisir avec Eric et l'heure tourne. Il y a du public qui attend de voir Eric et pour échanger avec lui et avoir des autographes. Donc, ça pourrait être l'occasion de faire une seconde émission, Eric. Je suis pas loin. Super. En tout cas, on avait passé un excellent moment. Je suppose qu'on avait encore plein d'autres questions et dans le chat aussi. Mais quand on a des gens comme ça, oui, on peut faire 3-4 heures sans problème. C'est beau la passion quand même, non ? Et le stade René. Ah ouais, écoute. Est-ce que tu as un petit prono pour conclure l'émission ? Est-ce que tu as un petit prono pour la fin de saison ? Alors, je fais jamais de prono. Mais je pense que c'est simplement une prise de position. Tu rentres sur un terrain, pour une raison, c'est pour gagner. Mmh. Alors moi, je ne pourrais pas m'imaginer de rentrer sur un terrain et de dire, mais aujourd'hui, on va faire tranquille, on va faire un match nul. Alors je crois que c'est match par match pour cette fin de saison. On continue sur cette dynamique, simplement. On a un match de coupe. Il y a de l'espoir, mais il y a 3 mois.
n'avait pas d'espoir. Ah ouais, alors là, il y a un espoir. Là, Est-ce que ça sera difficile? Est-ce que le PSG, c'est le PSG? Mais bien sûr, comme depuis toujours, bah, tu rentres sur un terrain, comme je disais au début, à 14 ans, j'ai appris dos droit et tu vas pour gagner. C'est bien une équipe pour emmerder le PSG, c'est le Stade Rennais. Oui. Même n'importe quelle équipe, tu rentres sur un terrain pour gagner. Pour y croire. Et alors, ça sera trop grave. Déjà, ça doit être ta passion. Tu es né footballeur et c'est un plaisir. Après, tu te fais très bien payer pour ça. Alors, c'est encore une autre raison. Mais déjà, la passion pour ce que tu fais sur un terrain, ça devrait être suffisant pour avoir une rage. Hein, avoir la rage, avoir la rage. Et après, le seul truc que je peux dire, gagner, et 1-0, 2-1. On prend tout, la fin de saison, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Et chaque 3 points, je ne parle pas de 2 points. Il n'y a pas plus de 3 points que plus importants que d'autres. Quand tu es footballeur, tu n'es pas mathématicien. Oui. Alors, tu ne vas pas calculer avant quand même. Tu rentres sur un terrain. Tu joues. Et voilà. Et il faut jouer intelligemment. Il faut jouer avec tes qualités. Et tu donnes le max. Pas 90%, tu donnes le max. C'est tout. Donc, encore merci beaucoup pour tes analyses, Eric. Avec plaisir. Donc, juste, conclure. Donc, Nino qui nous sort cette boutade, le seul Lidl qu'Eric fréquente, c'est le supermarché. Et Dédé Touche qui nous dit très belle émission, bisous Eric, et qui garde un peu de salé pour vendredi à la route à Delhi. Ah oui, je suis invité d'honneur pour la course, et Nene Touche, c'est un très grand copain à moi de Fougères, où je passe de très bons moments aussi, et que je salue bien sûr tous mes amis, et à Fougères, et à Dinard, et à Dinan, et dans la lieu où j'y suis souvent. Et c'est vrai, vendredi, je suis un invité d'honneur. Il y a un endroit où tu n'as pas laissé un bon souvenir, Eric? Bon, j'ai beaucoup de chance, c'est vrai. Oui, même moi, ça me surprend parfois comment je suis bien accueilli. Et ça fait chaud au cœur, ça fait vraiment chaud au cœur de n'importe où j'y vais. C'est hallucinant parfois. Ça se passe toujours. Et avec le sourire, il ne faut pas se compliquer là. Non. En tout cas, tu peux rajouter le Roisin Talk Show. Oui, c'est très bien. Donc, merci à vous tous d'avoir suivi, tout le monde qui est de Dinan, Fougères ou autre. Donc, merci à vous de nous avoir suivi. Pour ceux qui veulent retrouver Eric, n'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux sociaux. Et pareil, ceux qui ont besoin d'un coup de com', des conseils ou autre, n'hésitez pas à contacter VDB Concept et moi, Zyglam, avec Marie et le duo. On a le binôme, on a votre binôme, Marie et Eric. Merci Marie. On a le binôme complet pour vous, donc n'hésitez surtout pas. Donc, on vous embrasse tous. On reviendra la semaine prochaine, donc il n'y aura pas d'émission lundi prochain pour cause de lundi de Pâques. Donc on aura des capsules sur chat par rapport à l'analyse du match qu'on espère gagnant du Saucisse Show contre Strasbourg. Et on fera aussi une capsule par rapport à la demi-finale à venir mercredi 3 avril contre le Paris Saint-Germain. Yes. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci encore, Eric. Un grand plaisir pour moi, c'était un grand plaisir. Est-ce que Tipeee et Thomas, ils ont fait des bons centres durant l'émission? Je veux bien leur faire confiance, mais il y a un petit doute quand même. Il y a du travail, il y a du travail. Bon bosser, les gars, bon bosser, c'est sûr. On fait un gros bisou au chat, bisous Xavier. On remercie Marie encore pour tout le boulot mis en place par la régie et parce qu'elle nous supporte tout simplement. C'est un vrai à part entière. Pour conclure l'émission, j'aimerais bien qu'on fasse, tu sais, comme les annonces de joueurs, comme on l'a fait quand on avait 7-8 ans, qu'on allait voir Eric pour la première fois. Numéro 9, Eric Vandenberghe. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite. Bisous à tous. Ciao. Et c'est le retour au vestiaire. Le retour au vestiaire. Les joueurs qui rentrent dans le tunnel.